Bonjour à tous, de retour après une petite absence liée simplement au fait que j'avais pas d'idée de vidéo vraiment intéressante à vous proposer, ni de voilà de sujet chaud, de review à faire. Du coup je me suis pris du temps pour préparer une vidéo un peu plus, donc celle que je vous propose ici, un peu plus ambitieuse et de plus grande envergure en l'occurrence, consacrée à l'ensemble des SummerSlam, puisque cette année c'était le 25e anniversaire et que c'est aussi lié, alors l'idée m'est un peu venue, d'un usager qui m'a proposé de faire le top 10 des meilleurs main events de l'histoire de SummerSlam. Donc j'ai pris cette idée-là, j'en ai carrément fait un top 10 des meilleurs combats. Après, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aussi faire un top, enfin, je vais faire le classement de tous les SummerSlam. Et puis, je me suis une autre idée, celle que j'aborderai en dernier, c'est l'idée de savoir qui est Mr. SummerSlam. On a déjà Mr. WrestleMania, en la personne de Shawn Michaels. Il s'est autoproclamé Mr. WrestleMania, ça commence bien. Mais je pense qu'il mérite ce titre quand même maintenant, avec tous les bons combats qu'il a fait depuis. Eh bien, je vais voir si peut-être lui ou un autre, il y a pas mal de candidats, Edge, Angle, Bret Hart, Triple H, qui pourraient être élus Mr. SummerSlam. Donc voilà, ça sera à la fin. Je vous ai pas spoilé d'ailleurs la réponse à cette question-là. Sinon, pour le classement, que ce soit mon top 10 ou le classement des pay-per-view sur l'ensemble, ils sont déjà disponibles dans la boîte d'information si vous voulez aller voir et si c'est pas encore fait. Alors, je vais commencer par parler un peu de tous les SummerSlam. Dans leur ensemble, je pensais au départ les détailler un petit peu chacun, puis je me suis rendu compte que ça faisait, je l'ai tenté là juste à l'instant, et ça a fait une vidéo de 45 minutes, alors j'avais pas encore véritablement fini, donc je me suis dit c'est pas la peine. Donc juste pour dire un petit peu, d'abord, premier truc, il n'y a à mon avis aucun mauvais SummerSlam de tous. Il y en a qui sont moyens, ceux que j'ai mis en bas du classement sont moyens, mais jamais mauvais, genre truc fortement non recommandé, quoi. Après, il y en a quelques-uns qui sont excellents. Les 4 premiers sont vraiment exceptionnels. Donc je pense qu'il faut absolument les voir. Vous serez peut-être surpris de voir le 2011, d'ailleurs, dans ce top 4. Parce que c'est vrai que quand un pay-per-view est récent, on a toujours un petit peu, on est toujours un peu réticent à lui mettre, voilà, en faire l'éloge, tout ça, parce que bon, je sais pas, on a l'impression qu'on manque de recul pour pouvoir dire qu'il est excellent, tout ça. Mais je suis assez confiant sur l'idée que ce pay-per-view-là restera dans l'histoire comme l'un des tout meilleurs. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'était avec Money in the Bank les deux meilleurs pay-per-view. Donc voilà, je suis assez confiant là-dessus. Maintenant, il n'est pas au même niveau que 2001 et 2002, qui sont vraiment des pay-per-view hors du commun. Voilà. Bon, d'une manière générale, le fait qu'il n'y ait aucun de vraiment mauvais SummerSlam va forcément faire que vous allez peut-être en mettre un plus ou moins au-dessus ou en dessous d'un autre. Parce que voilà, ils se valent presque tous, je dirais, du. Voilà, on va dire du 2006-2005 par là jusqu'à 99-2000. Il y a vraiment un très faible écart de niveau et pourtant il y a une dizaine de places, même un peu plus de différence. Donc ça fait quand même voilà, des classements très différents pour finalement des pay-per-view de qualité relativement proche. Alors sinon on peut s'arrêter sur quelques éditions. D'abord je peux parler un peu des premières éditions, 88-89 et 91, je saute 90 volontairement, qui sont des éditions où on voit que SummerSlam a cherché à pas mettre trop WrestleMania dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis tous les titres défendus dans ces pay-per-view-là, le titre de champion du monde n'y est pas défendu, toutes les grandes rivalités ne sont pas forcément mise en avant ou résolue dans ces pay-per-view, etc., etc. Donc on sent qu'on en garde sous le pied, alors qu'à WrestleMania, on a tendance à tout envoyer. À partir de 92, pay-per-view historique, je vais y revenir dans un instant, à partir de 92, à chaque fois, les SummerSlam seront des sortes de WrestleMania bis, un peu moins big que WrestleMania, mais quand même, on cherche à envoyer un maximum la purée. Alors je parlais justement de WrestleMania 92, de SummerSlam 92, c'est le premier pay-per-view sans Hulk Hogan. Déjà, c'est historique. Ensuite, c'est le premier pay-per-view où on a Bret Hart dans le main event. C'est loin d'être le dernier, avec un titre intercontinental. C'est le seul pay-per-view régulier et le seul pay-per-view important qui n'a pas eu lieu sur le sol du continent américain. Ça fait quand même beaucoup de choses spéciales. Donc, voilà, il est historique. En plus, on a vraiment une ambiance, justement, un peu WrestleMania avec toute cette foule. On est à Wembley, à Londres, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et du coup, avec notamment pendant le main event, mais aussi pendant le Ultimate Warrior contre Randy Savage, une ambiance vraiment exceptionnelle. Donc voilà. Bon, après, il n'est pas si énorme que ça, je le mets que 8ème, parce que du coup, en dehors du main event, il n'y a pas de combat incroyable. Warrior Savage est pas mal, mais bon, toute proportion gardée. Et le reste de la carte est quand même assez faible. C'est pour ça qu'il n'est pas si haut que ça. Je vais juste m'arrêter sur 2-3 éditions. Je voulais m'arrêter sur celui de 2012, l'édition de cette année. C'est assez marrant de voir qu'elle n'est pas si mal classée, finalement, à mes yeux. Bon, c'est vrai qu'elle est c'est plutôt faible pour un SummerSlam, c'était ma conclusion quand je l'avais fait il y a un mois, plutôt faible pour un SummerSlam, mais pas trop mal pour un pay-per-view, c'est un peu ça l'idée. Bah, ça se confirme, c'est vrai qu'il est plutôt dans le bas du classement, 16ème sur 25,
Mais il semble se sentir pas trop mal parce qu'il n'a pas de vraiment mauvais combat comme ça et que tout se regarde sans trop de problèmes. Contrairement à d'autres, par exemple le 96, qui aurait pu être dernier, il est sauvé par son main event génial, Shawn Michaels-Vader. Et du coup, le moins bon, pour moi, c'est le 88. Je dis bien le moins bon et pas le plus mauvais. Je continue à dire que hein, les SummerSlam sont tous plutôt bons. Il a tendance à pas être trop saqué parce que c'est le premier, qu'il est historique, qui se passe au Madison Square Garden, devant une foule en délire, etc., etc. Mais si on regarde la qualité des combats en elles-mêmes, un peu comme on pourrait dire la même chose d'ailleurs pour WrestleMania 1, c'est pas des pay-per-view terribles, mais ils sont historiques, ils sont spéciaux, il y a un truc, donc du coup, on les tolère, entre guillemets. Voilà. Sinon, 2007, je l'ai revu lui en entier, je me suis surpris à l'aimer plus qu'à l'époque, donc du coup, il y a quelques pay-per-view pour lesquels j'ai changé d'avis, donc il faudrait que je les revoie. Je ne les ai pas tous revus. Le classement, encore une fois, il est approximatif, mais c'est pour vous donner une idée. Je vous ai mis entre parenthèses des combats les meilleurs chaque fois, les plus importants, pas forcément les plus importants en termes de build-up ou quoi, mais ceux qui peuvent être des arguments du pourquoi regarder ce pay-per-view. Donc voilà, ça vous fait une petite liste indicative pour ceux qui voudraient le faire. Mais c'est vrai que souvent, c'est lié évidemment à la qualité des combats. Donc autant tout de suite arrêter de parler des pay-per-view en entier et parler des combats. Avec mon top 10, donc, des 10 meilleurs combats de l'histoire de SummerSlam, à mon avis. Alors d'abord, premier truc qu'on peut se dire, c'est tiens, non, top 10 d'un pay-per-view comme SummerSlam, on a des combats qui sont à moins de 4 étoiles. Est-ce que tu serais pas un peu trop sévère? Eh bien, peut-être. Peut-être que je suis un peu sévère. Mais voilà, je le justifie bien. En fait, je pensais, moi, avant de revoir tous ces combats, alors tous ces combats-là, bon, les 10 là et pas mal d'autres, je les ai revus pour l'occasion. Et voilà, j'essaie de noter de façon la plus juste possible et pas de mettre des grosses notes en se disant ah, ça va me faire un top 10 avec des notes à 3 3 quarts, c'est pas terrible. On est toujours un peu tenté de faire des ajustements comme ça pour des raisons un peu connes. Et donc, l'autre truc aussi qu'on pourrait se dire en voyant mon top 10, c'est l'absence de quelques combats mémorables que beaucoup de gens auraient mis et que moi j'ai pas mis. Donc je me devais de le justifier. Je vais commencer par un combat mythique, le Shawn Michaels Triple H de 2002, qui est quand même souvent plébiscité comme un des tout meilleurs combats, non seulement de SummerSlam, mais de l'histoire de la WWE. Eh bien moi, je m'en rends compte, alors je l'ai vu quoi 4 ou 5 fois, je pense, et à chaque fois que je le vois, je le trouve moins bien que la fois d'avant. C'est pas très bon. Et là, en fait, je lui mets une note, alors attention, je vais vous dire la note, mais ne partez pas, je vais justifier cette note. Je lui mets une note de 3,5. Donc là, il y en a certains qui doivent être là, alors attends, faut quand même pas déconner, t'es sévère, machin. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, et je vous invite à revoir le combat après avoir entendu mes critiques. Éventuellement, voilà. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi à ce moment-là, venez me contre-argumenter, mais je vous invite à revoir le combat, parce qu'on change souvent d'avis quand même sur les combats. Enfin, moi, en tout cas, je change souvent d'avis sur les combats. Mais là, quand ça fait 5, ouais, à peu près 4-5 fois que j'ai vu les combats, je commence à être à peu près sûr de mon truc. Ce combat-là, pour moi, il a des qualités, certes, on les connaît tous à peu près, mais il a des défauts. Et c'est ces défauts-là dont je vais parler, je vais pas parler des qualités, parce que sinon je passerai 3 quarts d'heure. Il a 3 défauts importants, enfin surtout 2 très importants, un troisième un peu moins important. Bon, je vais parler du troisième, du coup, en premier, le moins important, c'est qu'il n'y a pas de changement de rythme. C'est trop linéaire, je trouve. Ça, c'est un peu gênant. C'est pas très gênant, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a des changements, des moments où ça accélère, des moments où ça ralentit, et tout ça. C'est quand même agréable. C'est ça, en fait, le rythme. Le rythme, c'est pas que ça soit tout le temps rapide, c'est qu'il y ait des changements qui soient pertinents et tout ça. Un peu trop linéaire, déjà, ça enlève une part d'intensité, même si elle est quand même presque. Le deuxième défaut, le plus important des trois, en fait, vraiment casse-couille, c'est le selling vraiment mauvais pour le coup. Un des pires sellings qu'on peut avoir dans un très très gros match comme ça, de la part de Shawn Michaels, mais aussi, dans une moindre mesure, de la part de Triple H. Je vais vous le justifier, ça, parce que c'est quand même important. Début de match, premier move qu'encaisse HBK dans le match, c'est un backbreaker, et il le vend comme si c'était dévastateur. Donc évidemment, ça fait écho à l'idée que Shawn Michaels a été absent de la WWE, c'était son match pour son retour, hein. Après 4 ans et demi d'absence pour une blessure au dos. Bon, il n'était pas blessé pendant 4 ans et demi, hein. Il était blessé un an, puis après il a pris son temps. Donc, bref. Et du coup, oui, il vend ce backbreaker comme un truc de malade. Il en prend un deuxième, donc déjà on insiste vraiment sur l'idée, tiens, Triple H va travailler le dos. Ça, c'est vraiment flagrant. Et Shawn Michaels vend le fait qu'il est en grande difficulté à ce niveau-là. Donc déjà, au bout de deux backbreakers, on a peur pour Triple H, entre guillemets, pour HBK. On se dit, voilà, il est mal barré. Et après, il va en prendre bien plus. Il va prendre des projections dans les coins, pas mal de coups de chaise dans le dos, etc., etc. Donc,
plus ou moins son dos est censé être détruit, et vu comment il a vendu le dos à un moment donné, il est obligé de continuer à le vendre après au moins un petit peu. Eh bien, à un moment donné, quand il va faire son comeback, eh bien, il va totalement arrêter de le vendre. Mais quand je dis totalement, c'est que non seulement, alors il fait son comeback, il se relève sans les mains, vous savez, donc déjà tu te relèves sans les mains. Bon, admettons. Après, il saute sur place, genre j'ai rien, tac, il fait des signes, limite avec la foule. Et après, il court, il fait des slams, et il n'a plus jamais mal au dos. Et je trouve que c'est vraiment limite un foutage de gueule sur, pendant 10 minutes, Triple H te travaille le dos, et à peine il a fini de dominer le dos, clac, t'es frais comme un garde, t'as pas mal au dos. T'es là. Ça fait un petit peu cheap, les mecs, hein, quand même. Et sinon, Triple H aussi a un selling pas terrible. Alors lui, c'est un peu moins visible, un peu moins flagrant, mais c'est quand même gênant. C'est vers la fin du combat, en fait, j'ai vu ça, ça m'a un petit peu titillé. Shawn Michaels met un peu de temps à mettre sa table en place, à mettre Triple H dessus, tout ça. Et après, il faut qu'il rentre dans le ring, qu'il monte sur la troisième corde et qu'il fasse son splash de la troisième corde sur Triple H à travers la table. Et en fait, on se dit, bon, Triple H aurait quand même eu le temps, là, de se barrer. Il était out il y a 2 minutes, mais là, il n'est plus, manifestement. Il prend le move. On t'a envie de dire, ok, il vend le mec qui est vraiment out. C'est pas grave, ça fait, on était à plus ou moins 20 minutes, 25 minutes de combat là, donc c'est pas grave. Mais le truc, c'est qu'après avoir encaissé le move, Shawn Michaels, il le laisse là, et il va chercher une échelle, il la met dans le ring. Et pendant qu'il fait tout ça, Shawn Michaels rampe et revient dans le ring. Et je trouve que c'est un peu con, parce que déjà, il bouge après avoir pris le move, alors qu'avant d'avoir pris le move, il bougeait pas. Donc on a l'impression que le move l'a limite réveillé, vous voyez ce que je veux dire. Mais en plus, il va se mettre là où Shawn Michaels l'attend, quelque part. C'est qu'il aurait rampé vers la sortie ou quelque chose, et Shawn Michaels serait venu le chercher, il l'aurait mis là où il veut. Mais là, ça fait vraiment le mec qui va se placer pour le prochain spot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite spot-fest sur ce coin-là, sur ce point-là. Donc ça, c'est vraiment un défaut qui m'agace. Puis le troisième défaut est assez gênant aussi, je trouve. C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contres et qu'il y a beaucoup de spots très téléphonés. Alors, j'en ai deux en tête, mais il y en a plein. Alors, deux assez ridicules en tête. Le premier, c'est le spot où Shawn Michaels est dominé au dos. Triple H est en train de le détruire, machin. Et à un moment donné, Triple H va à l'extérieur du ring chercher une chaise. Et à peine, il a la chaise dans la main. Il se met à rentrer dans le ring. On voit Shawn Michaels qui est au milieu du ring à quatre pattes. Genre, vas-y, j'attends. Il attend son coup de chaise, quoi, vraiment. Et je trouve que, enfin voilà, le mec, il est censé essayer de se barrer, de lutter, de machin. Et là, il est vraiment dans une position qui, déjà. Bon, t'adoptes pas souvent cette position-là quand tu veux te battre, à part si tu fais de la lutte gréco-romaine. Mais voilà, enfin, là, surtout quand tu sais que le mec, il est parti chercher une chaise et qu'il veut niquer le dos, t'évites de mettre ton dos en avant, quoi. Donc ça fait vraiment con. Et c'est téléphone et tu vois le coup de chaise venir à 10 000, et puis bam, coup de chaise, ouais. Doutait. Et puis l'autre, c'est plus loin, domination de Triple H. Il vient avec sa chaise, il a la chaise devant la gueule, c'est-à-dire que limite il voit pas où il avance. Et en fait, tu le vois avancer comme ça, tu dis ouh, lui il va prendre un switching music ou un truc dans la gueule. Ah oui, ça loupe. Bam, switching music dans la chaise, il tombe en arrière. J'ai envie de te dire, mais qui avance avec une chaise comme ça? C'est vraiment des trucs de débutants, quoi. Donc bon, voilà, on a tendance à les critiquer sur les petits matchs, mais je les critique encore plus sur les gros matchs personnels. Voilà, j'ai passé pas mal de temps sur ce combat-là parce qu'il est vraiment. Souvent plébiscité, et là pour le coup c'était des critiques assez véhémentes que j'avais. D'ailleurs quand je mets 3,5, sachant ces critiques là, je m'estime plutôt gentil. Un autre combat qu'on aurait pu attendre dans le top 10, il y en a pas mal d'autres, mais je vais pas tous les détailler, mais on aurait pu attendre peut-être Edge Undertaker, le Hell in a Cell de 2008. Là aussi j'ai été assez décontenancé par le selling. Alors vous vous souvenez certainement des super bumps du combat, notamment un moment où Edge court sur les deux tables des commentateurs et fait un spear. À l'Undertaker qui tombe sur la troisième table de commentateurs, parce qu'il y en avait trois à l'époque, il y avait Raw, SmackDown et ECW. Donc c'est un énorme spot, mais est-ce que vous vous souvenez de qui se relève en premier après ce spot-là? Ah oui, je vous le donne en mille, c'est l'Undertaker qui se relève en premier. Et bon, c'est un petit peu... voilà, t'as un super spot, mais une minute après, quand il se relève, enfin même pas une minute, 30 secondes plus tard, tout l'impact du spot est annulé par le fait que le gars qui a pris le finisher du gars plus un bon matin à la table se relève en premier. T'es là, non, mais... Voilà, non, c'est pas possible. Alors même s'il se relève, il fait le mec un peu out, n'empêche que juste après, il y a un petit peu un fist fight, quoi, un échange de coups de poing, et l'Undertaker prend l'avantage. Donc ça prouve que finalement, le bump, le spot est beau, mais il a aucun impact dans le déroulement du combat, dans le selling de l'Undertaker ou quoi que ce soit. Alors après, tu peux toujours me dire, ouais, mais c'est l'Undertaker, tu comprends, machin. À la limite, c'est vrai qu'on peut avoir cet argument-là sur les matchs Triple H Undertaker là, de deux derniers WrestleMania, parce que l'emphase du combat est mise sur le fait que l'Undertaker est invulnérable. Alors que ce soit l'Inner Cell, j'ai l'impression que l'emphase est mise sur Edge qui est prêt à tout, etc. Donc, ça passe pas forcément très bien, surtout que voilà, y a pas que ça, il y a plein d'autres moments où le selling est vraiment faiblard, et ça fait très spot-fest sur les bords. Donc, même si les spots sont fun, le défaut est vraiment là, et flagrant, je pense incontestable. Et du coup,
je lui mets lui aussi 3,5. Ça fait sévère, parce que je crois qu'à l'époque, pas mal de gens avaient mis des notes du style 4,5, donc ça fait un gros écart. Ouais, le Wrestling Observer avait mis 4,5, c'est ce que je regardais. Voilà. Alors je vais arrêter de parler des combats que j'ai pas mis dans mon top 10, maintenant il y a pas mal d'autres qu'on aurait pu attendre. Je vais parler des combats que j'ai mis dans mon top 10 maintenant. Alors je vais pas tous les détailler, évidemment. Je vais parler du CinéPunk de 2011, juste pour parler du fait que moi je préfère celui de Money in the Bank 2011. Mais comme j'entends beaucoup de gens penser que ceux qui préfèrent celui de Money in the Bank, c'est parce qu'il y a l'ambiance et tout ça, j'ai juste envie de leur dire non, mais il y a autre chose en fait. Et la différence entre les deux, moi je l'avais déjà écrit ça sur FN Nation, la différence entre les deux, c'est que celui de SummerSlam est beaucoup moins lié sur l'ensemble et qu'il a un finish qui est très déstabilisant par rapport au fait qu'on a un guest referee et que l'idée c'est d'élire le meilleur avec les deux titres, etc. Que toute la construction du match avec le fait qu'on a un arbitre spécial, en l'occurrence Triple H, est mise sur le fait d'élire vraiment le meilleur. Et finalement, le finish du combat, c'est un petit peu une façon de se dérober de tout ce teasing sur qui est le meilleur. Et je trouve que ça, c'est vraiment maladroit, surtout que, écoutez la foule, et moi c'est ce que je m'étais dit quand je l'avais vu dans les conditions live, tout le monde croit que le combat va repartir quand Triple H voit les images. On a l'impression qu'il voit les images, tu vois, il y a les ralentis. Moi j'étais persuadé qu'il allait faire repartir le combat, et en fait non. On reste vraiment sur notre fin. Beaucoup plus que sur le Sheamus Del Rio finalement, qui a pas du tout de construction ou quoi que ce soit sur cette idée de false finish. Et qui passe du coup mieux, celui de cette année, je parle. Et du coup, celui de Money in the Bank 2011 est moins bon techniquement que celui de SummerSlam. Mais au moins, au niveau de son scénario, il est beaucoup mieux fait. On comprend mieux ce que Cena essaye de faire tout au long du combat, et ça change pas trop de tactique. Même chose pour Punk, etc. Il y a un finish hyper climatique. Bon, il y a une ambiance, c'est vrai, il faut le prendre en compte. Mais il y a plein d'autres choses. Et d'ailleurs, ce Cena Punk de SummerSlam, si vous regardez bien, tout le début est vraiment exceptionnel. Très fin, avec une domination. Punk qui tente de travailler le dos, Cena qui essaie de immobiliser Punk, etc. Mais à partir du moment où Punk porte son suicide dive à l'extérieur, vous savez, je crois que c'est Triple H qui les remet dans le ring, ou je sais plus très bien. À partir de ce moment-là, ça se désunit un peu. Ça fait un peu à toi, à moi, ça porte les big moves, et on sait plus trop. Et on perd en fait la construction de tout le début de match qui était cool. Donc du coup, autre défaut. C'est pour ça que je lui mets plutôt 4, alors que l'autre, je lui mets 4,5. Voilà, tout simplement. Un autre match dont je voulais parler, alors je passe pour Triple H The Rock 98, qui est un super ladder match, avec des petits défauts, ceci dit. HBK Vader 96, qui est un combat un peu sous-estimé, mais là encore, je vous laisserai le regarder, vous comprendrez par vous-même, j'imagine, pourquoi ce combat-là est très bon. Peut-être plus surprenant, c'est le TLC de 2000. 4,5, c'est quand même une très grosse note, surtout pour un TLC. Vous avez peut-être remarqué que j'étais pas un grand fan des Spotfest. Et en l'occurrence, c'est un Spotfest un peu plus intelligent que la moyenne, parce que le selling est bon. Alors, il n'est pas exceptionnel, mais en tout cas, il n'est pas mauvais. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les lutteurs, quand ils prennent un gros bump, un gros spot, on a l'impression qu'ils sont plus ou moins éliminés ou qu'ils sont out pour un bon moment. Et du coup, on se retrouve assez rapidement avec que 2, 3 lutteurs, 3, 4 lutteurs. Enfin, voilà, il y a des mecs qui sont éliminés. Ça, c'est agréable en fait. Ça rend le truc beaucoup plus lisible et du coup, les spots beaucoup plus. Avec beaucoup plus d'impact. Au-delà du fait que c'est beau, oula, il a pris cher, il avait passé 3 tables ou je sais pas quoi. En plus, tu te dis, bon, il est out. Ça rend les spots un peu plus intéressants. Et ça, c'est pas un truc qui est très présent dans le Triangle Ladder Match de WrestleMania 2000 ou dans le TLC de WrestleMania 17. Voilà. Et qu'on va retrouver un petit peu dans le TLC qui a eu lieu à SmackDown en 2001 avec Chris Benoit et Chris Jericho. Enfin bref. Et le dernier combat que je vais détailler, donc je vais pas parler du HBK Razor et du Brett Bulldog, qui sont des combats connus et classiques, assez connus et reconnus surtout. Mais n'hésitez pas si vous voulez que je vous dise pourquoi je les ai mis premier et deuxième. Hein, voilà. Je vais parler du Angle Austin qui est peut-être plus surprenant. Pas mal de gens l'ont pas aimé tant que ça, je pense sûrement parce qu'il y a des choses déstabilisantes dans ce combat, notamment le fait qu'il y ait un finisher qui sorte au bout de 10 minutes. En l'occurrence le stunner, qu'il y ait pas mal de fois où ils sont à l'extérieur du ring à se foutre des coups et qu'il n'y a pas de count out ni de disqualification qui sort. Ceci dit, ça a du sens par rapport au fait que c'est Ebner l'arbitre et qu'il sait très bien que c'est ce que Austin souhaite, une disqualification, et ce que Angle ne veut surtout pas, du coup il évite de le faire. Donc c'est pas non plus gênant, et puis en plus ça tease le finish, justement le finish, je pense que c'est ça surtout qui a déstabilisé pas mal de monde, c'est le fait qu'un gros combat comme ça se finisse sur une disqualification. Une sorte de screw job avec Nick Patrick qui vient disqualifier Angle et laisser Austin partir avec le titre. Maintenant, ce finish là aussi a du sens par rapport au storyline et surtout vient après un moment très kiffant où Austin détruit tous les arbitres un par un jusqu'à ce que Nick Patrick arrive. Et voilà. Mais sinon, le storytelling est super. J'adore le fait que le finisher, le stunner sorte au bout de 10 minutes parce que du coup,
ça permet à Austin de faire un kick out, de Angle de faire un kick out sur le stunner sans que ce soit abusé, parce que ça fait que 10 minutes qu'il est malmené, ou plus ou moins. Donc voilà, ça passe. Tandis que tu fais kick out d'un stunner au bout de 30 minutes, c'est un peu plus sur Superman. Et après, il en prend un deuxième, donc Austin réagit normalement. Il en met un, le mec dégage, moi je vais en mettre un deuxième. Il veut lui en mettre un deuxième, il le met, mais Angle roule à l'extérieur du ring, et ensuite, Austin est un peu blasé au début, puis après il se dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, là maintenant il est out, je vais pouvoir m'amuser avec lui. Et là, il le balance contre le poteau et tout, il le fait saigner, j'adore. Il fait vraiment le sadique de service, en plus il regarde Ebner, genre, vas-y, disqualifie-moi, c'est pas grave. Donc c'est vraiment le branleur, il est génial en tant que heel Austin à ce moment-là. Enfin, sur ce match-là. Et ensuite, le comeback de Angle, qui était quand même vraiment out à chier à ce moment-là, il est bien fait aussi. Il utilise pas mal son ankle lock pour immobiliser Austin. Tout en lui, ça lui permet de récupérer tout ça, donc c'est vraiment bien fait. Donc voilà, il y a un selling extrêmement ambitieux, enfin un storytelling extrêmement ambitieux, et le selling assure derrière. Donc c'est toujours agréable quand il réussit ça. En plus, techniquement, il est vraiment rythmé. Je trouve qu'il fait réaliste tout en étant assez bon techniquement. Il y a des belles passes, donc un des meilleurs combats de l'histoire de la WWE, je le dis comme ça, et donc un des meilleurs combats de l'histoire de SummerSlam. Voilà, je vais m'arrêter là pour le détail des combats, parce que sinon ma vidéo va être vraiment trop longue. Et donc je vais passer à mon élection de Mr. SummerSlam, avec donc mes candidats les plus sérieux à ce titre, parce que tout le monde était des candidats, mais j'ai distingué 5 combats particulièrement sérieux. Alors dans le désordre, en partant de ceux qui ont le plus d'apparitions à SummerSlam à ceux qui en ont le moins, candidats, on a Triple H, 14 apparitions, Shawn Michaels, 11 apparitions, Bret Hart et Edge avec 10 apparitions chacun, et Kurt Angle avec 6 apparitions, qui est quand même candidat, Kurt Angle, malgré qu'il ait assez peu d'apparitions au final. Enfin, assez peu de participation, on va dire ça comme ça, à SummerSlam. Alors, malgré 14 apparitions pour Triple H, ce ne sera pas lui. Je l'élimine tout de suite de la course, parce qu'il a beaucoup de combats assez moyens, faibles. Alors, il n'a pas été gâté avec les adversaires, il a quand même eu des combats contre Eugene, Great Khali, Bob Holly, bon, bref. Ça aide pas. Maintenant, même quand il y a eu des super adversaires, il n'a pas fortement sorti ses meilleures performances. Donc contre Shawn Michaels en 2002, contre Lesnar cette année, où bon, c'est quand même des lutteurs qui ont eu des meilleurs combats que ça avec d'autres adversaires. Donc c'est pas forcément du très grand Triple H, donc on peut pas dire qu'il se soit particulièrement illustré sur les SummerSlam. Puis je passe sur sa performance de SummerSlam 2003, qui est mémorable, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà. Ça ne sera pas non plus celui qui a été élu par le WWE Universe comme Mr. SummerSlam, suite à un sondage qui avait lieu il y a quelques années, deux, trois ans, je ne sais plus, en l'occurrence Edge. Alors je pense qu'il avait été élu Mr. SummerSlam du fait de son Hell in a Cell, contre Undertaker notamment. Vu que ce Hell in a Cell, je le dévalue pas mal par rapport à l'opinion de la plupart des gens, déjà, il est mal paré. Ensuite, l'autre grand combat de Edge, c'est un combat où il y a 6, voire 7 personnes avec Lita, le TLC, donc là aussi, ça réduit l'impact de Edge seul sur le combat, puisqu'il est quand même avec 5 autres gars. Du coup, il n'a pas ce grand combat en solo, tout ça. Il a peut-être son meilleur combat, je pense, en solo, c'est contre c'est contre Undertaker quand même, en Hell in a Cell, ou alors contre Cena en 2006, c'est pas mal aussi. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, en parlant de 2006, je trouve ça dommage qu'ils aient choisi de mettre Shawn Michaels contre Hulk Hogan dans le main event, et Edge contre Cena. J'aurais préféré voir Cena Hulk Hogan, personnellement. Et je trouve que c'est vraiment une occasion ratée d'avoir un match, enfin une affiche quand même. Voilà, quoi. Ça se pose là. Shawn Michaels Hulk Hogan, c'est pas mal non plus en affiche, mais à la limite, je trouve que c'est moins symbolique que Cena Hulk Hogan. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un combat que j'aurais vraiment aimé voir. Malgré que c'est pas forcément un combat qui aurait été super beau, clairement, techniquement ni rien, mais je pense qu'il aurait pu être vraiment cool au niveau entertainment. Et je pense que Cena aurait carrément pu assurer ce qu'a fait Shawn Michaels dans le build-up du pay-per-view. Il est vraiment pas mal au micro. Hein. Non, il est exceptionnel au micro, John Cena, mais bref. Donc c'est pas Edge non plus. Donc il nous en reste 3 prétendants. Angle, Bret Hart, Shawn Michaels. Angle, avec seulement 6 participations, il a l'air un petit peu en difficulté. Ceci dit, dans ses 6 participations, il a un énorme combat à 4,5. Ceci dit, Bret Hart aussi, et Shawn Michaels aussi. Donc ça pèse pas lourd. Après, il a quasiment que des beaux combats, Angle, avec des belles perfs, notamment contre Eddie Guerrero, contre Brock Lesnar. Contre Rey Mysterio en 2002, super combat assez oublié parce que c'était l'opener. Je le recommande, j'adore ce combat. Voilà, maintenant c'est un petit combat de 10 minutes donc je pourrais pas lui mettre plus de 3-3 quarts, mais voilà, je pense qu'il aurait dans ces eaux-là à peu près. Mais bon, voilà, 6 apparitions seulement, Angle éliminé, surtout que voilà, il n'a pas non plus énormément de combats dans le top 10, contrairement à Shawn Michaels
et surtout Bret Hart. Shawn Michaels a deux combats dans le top 10 et c'est deux combats à 4 et plus. Maintenant Bret Hart en a lui 1, 2, 3 combats dans le top 10. Donc quelque part ça se vaut à ce niveau-là. Shawn Michaels a plus d'apparitions. Là où ça peut faire la différence pour l'un, pour Bret Hart en l'occurrence, c'est qu'il a beaucoup de combats qui tapent dans le 3,5-3,75 dans les années, alors qu'ils sont pas dans le top 10 mais qui sont pas loin. Contre Undertaker, contre Perfect, contre... alors en équipe contre Brainbusters en 89, en équipe contre Demolition en 90, il est dans le top 10, mais aussi en 88, par exemple. Alors qu'à côté de ça, Shawn Michaels, et c'est donc ce qui va amener le titre de Mr. SummerSlam à Bret Hart, Shawn Michaels, lui, a eu des matchs décevants. Je pense notamment au match contre Hulk Hogan, contre Perfect en 93, voire contre Rick Martel en 92. Et du coup, il a moins de combats comme ça qui tapent dans le 3, 3 quarts, 4 que Bret Hart. Ce qui fait que je mets Bret Hart, Mr. SummerSlam. Ouf, parce que franchement, avoir un gars qui est Mr. WrestleMania, Mr. SummerSlam, ça aurait été un petit peu too much. Mais je l'aurais fait si ça avait été le cas. Mais là, pour le coup, je trouve de bonnes raisons d'élire Bret Hart, Mr. SummerSlam. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à ce niveau-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite une nouvelle fois à contre-argumenter ce que j'ai dit, si vous trouvez que j'ai dit des conneries ou quoi. Posez des questions si vous en avez. Et puis sinon... je vous dis à la prochaine fois, certainement avec une review pay-per-view, parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye.